Le mal est présent. Il faut donc le combattre. Pour lutter contre les traumatismes psychiques, l'ONG Action Psy Côte d'Ivoire a organisé une journée de sensibilisation. L'enjeu étant de permettre à tout être humain ayant vécu des événements catastrophiques de se libérer l'esprit. L'objectif de l'événement, c'est de sensibiliser la population sur l'existence des traumatismes psychiques. Il s'agit d'une affection grave qui touche les personnes qui sont victimes d'événements graves, violents, comme des accidents de la route, comme des guerres, comme des viols. Des personnes qui subissent ces événements qui créent une frayeur tellement intense qu'elle leur donne un sentiment d'impuissance. Et à la suite de cet événement, donc, les personnes peuvent présenter ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique qui va se manifester par des reviviscences, c'est-à-dire la personne est là et de façon non volontaire, elle revit la situation qu'elle a traversée. Trouble de l'esprit, le traumatisme psychique est une catastrophe personnelle accompagnée du sentiment d'impuissance et d'horreur. La solution, c'est ce que l'ONG est en train de nous proposer ce matin, c'est une prise en charge psychique par des spécialistes, mais aussi la sensibilisation des personnes. Si par exemple vous prenez les pompiers dans leur travail au quotidien sont témoins d'événements graves, douloureux. Ils vont donc sauver des personnes, sauver leur vie tout de suite, mais ces événements graves et douloureux laissent des empreintes. Pour rappel, l'ONG Psy Côte d'Ivoire est une association de médecins psychiatres, psychologues et criminologues. Elle a pour objectif de contribuer à l'amélioration et à la promotion de la prise en charge des traumatismes psychiques.